re-YouTube. Bon. Grosse déception, là. Mais j'ai une autre idée. Il y a, sur la Lune, le truc qui tourne, là. Et on va essayer de prendre... on va essayer d'aller là, pour essayer de prendre une photo. Et... Mais vu qu'il y a moins de choix... Après, on va tourner. Jusqu'à ce que... On ait la bonne planète. Celle qu'on a choisie sur la Lune. Et après... On y va. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi des fois le lock ne marche plus ? Ah, mon lock ne marche plus. Et donc je suis obligé d'aller dans les commandes, aller dans le vol, verrouillage. Voilà, je clique. Et là, ça remarche. C'est pas que c'est chiant, hein. Mais presque. Alors oui, c'est là. Et donc, je vais là. Tac. Paf pouf, et ça fait bim bam boum. Et là je vais lui dire bonjour, je veux que tu me mettes gravité, tiens. Donc là, les astres s'alignent. Avec gravité. Là, je colle mon truc. Genre ici. Genre photo. Et genre là, j'ai gravité. Et j'aurai toujours gravité. Hop. Je remonte dans mon vaisseau. Je décolle. J'affiche le lance-guetteur. Et, ah bah, coup de bol, elle est là. Coup de bol, elle est là. Et coup de bol, on la suit. On va faire en sorte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi on voit plus gravité? Pourquoi on va plus gravité? Non mais c'est quoi ce délire? Non mais je comprends rien là. Pourquoi on voit plus gravité? Ah! Non, bah non, toujours pas, non.
Tiens, mais... C'était un plan de génie ? Mais on s'en fout d'être bois. Non, je veux pas être bois. Je veux le truc à côté, moi. Il veut pas choper la lune, non. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah, moi je veux ça. Voilà, allez, vas-y. Tu peux le faire. Je crois en toi. Pourquoi on ne voyait plus gravité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne marche plus. Il est bien aligné là pourtant. Il est bien mon guetteur là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah, ça remarche. Alors, on va faire tourner. Attendez, comme ça, hop, voilà, c'est dans le même sens que... Oh, regardez, ça se barre. Pourquoi ça se barre? Et ça marche pas leur truc, hein. Quoi? Et en plus, je vais crever par le soleil. Vous avez vu, il y avait la lune. On l'a vu l'espace d'un instant, mais j'ai cligné des yeux. Donc elle a disparu. Bon. Comment on va faire ça ? On tente avec autre chose que gravité. Bon, il est où mon satellite là? Il est là-bas. Mais arrête! Putain, mais... Le pilote automatique, il veut passer à travers la planète, quoi. Vraiment, est-ce que t'es sérieux, quoi? Le pilote auto, bah ouais. Bah écoute, bah, je vais passer à travers la planète. C'est ok? Non? Non, c'est pas ok. Ah bon? C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je l'ai fait quand même. Quel gros naze! Quand ça veut pas, ça veut pas. Autant des fois, j'y vais du premier coup. À autant d'autres, c'est laborieux. Hein. Bon, on y retourne. Que disaient les trucs? Ils disaient que c'est à nous de nous démerder. En gros, hein. En gros, ils disaient un peu démerdez-vous. Hein. Gravité ou le soleil, ça c'est quoi? Ça c'est à trop bois ça.
Ah non. Oh, ça tombe bien. Alors, ça le suit, regardez. Voilà, ça suit l'astre, c'est bien ça. Bon, il passe derrière, donc ça c'est nul, mais... Alors... Allez, j'y vais. Là, ça se décale. Alors que, regardez, l'astre, il est là. Le truc tourne plus. J'ai l'impression que le truc tourne que quand je suis dedans, en fait. C'est que quand je suis à proximité que ça marche. Et quand je me casse, ça marche plus et j'ai les boules. Ah bah regardez, ça remarche là. C'est ça en fait. C'est quand on est trop loin, ça marche plus. Alors attends. Mais il est là. Attendez. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je vais y arriver un moment. J'ai même pas des photos de quoi ça prend en fait là. Putain, ça y est. Mais ça prend pas des photos. Ouais, mais voilà, ça prend pas des photos de là quoi. Donc super, à quoi ça me sert quoi. Ça me sert à rien quoi. Punaise. Ah si! Oh là là là! Oh oui! Oh là 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 là! Oh, je vais pas avoir le temps. En train de se barrer. Ah, j'en ai plein le cul! Salut Bernard! Eh bien, jongle avec des tronçonneuses. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi le truc lock
que quand on est loin, quoi. Pourquoi ? Bon, allez, on retourne sur la sablière. On va essayer sur la sablière. Oh, ça m'énerve. Toujours ça m'énerve. J'ai une bonne idée, là, et impossible de la mettre en œuvre, quoi. Enfin, ça me gonfle, quoi. Parce que le truc, là, le petit jouet qui tourne, il marche que quand on est à 10 mètres de lui, et après, il s'arrête de marcher, quoi. Moi, ça va pas, non. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul d'avoir des bonnes idées et impossible à mettre en œuvre, quoi. Parce que... Le jeu dit juste non. Le jeu il dit non. Qu'est-ce que... Allô? Allô? Pourquoi? T'appuies une demi-seconde. Allô? Allô? T'appuies une demi-seconde et t'as tout le vaisseau qui part en couille. Bon, je retourne là. Bon, je retourne là. On est là. Voilà. Voilà. On va prendre une putain de photo. Tu nous as expliqué ce que tu essayes de faire, ce que tu souhaites atteindre. Là, je veux atteindre la lune quantique. La lune quantique, dès que j'essaie de... c'est dès que tu ne la vois plus, elle va bouger de position. Donc... Pour arriver à la bloquer, en fait, bah, tu peux la voir et elle est direction la lune quantique. Sauf qu'à partir du moment où tu rentres dedans, tu ne la vois plus, vu que tu es dedans, en fait. Et donc, elle disparaît, elle change de place. Donc, pour garder un objet quantique en place, il faut prendre une photo. Et donc, là, ce que j'essaie, c'est de mettre en place mon appareil photo pour que il prenne en photo la lune quantique. Sauf que c'est le merdier. En gros. Merde ! Putain, mais c'est pas le bon bouton que j'appuyais. C'est ça trop droit là. Ah! Regardez, c'est moi. Alors, là. Non, ça sert à rien que j'y aille maintenant. Je retourne au vaisseau. Ça a l'air compliqué, tu peux pas jouer à Minecraft. Mais je crois que Minecraft c'est encore plus compliqué que ça. Donc, là. Là, il tourne pour trouver la lune quantique. Il la cherche. Et il vient de la trouver autour d'Atrebois. Donc là. Je cherche Atrebois. Je trouve Atrebois. Et je trouve la lune. Sauf que là, à partir du moment où je décolle, le truc ne marche plus. Le machin qui est censé suivre la lune quantique, voilà. Si on n'est pas à côté, il marche pas. Voilà, il suit plus rien là. Elle est même plus là en plus. Hein?
Elle est là. Ça s'arrête de marcher sur le satellite d'Atrebois quand t'es à 10 mètres ou à 10 km, sinon j'aurais été à l'idée de faire en sorte que la lune soit autour d'Atrebois. Ah non, c'est dès que je décolle en fait, dès que je décolle ça marche plus quoi. Ou alors faut que j'attende que... Ou alors j'attends, je me mets en position stationnaire. J'attends de la voir là dans le viseur. Non, 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 je veux pas aller sur la planète. Je veux pas aller sur la planète, arrête. Lourdingue, lourdingue, lourdingue fois 1000. Et là, dès que je suis dedans... Je fonce dessus. C'est ça, là je suis dedans. Hein. Je la vois en photo là. Hein. Yes! Allez, dit très vite. T'as pas un peu explosé ton vaisseau? On s'en fout. Ah, je m'en fous. Ah, je m'en fous complètement. De toute façon, je passe mon temps à l'exploser. T'es comme Tony. T'es comme Tonya pour fêter ça. Je pense que c'était pas la manière la plus simple de faire. Et donc, ils ont installé des trucs dessus. Les Nomailles. Les Nomailles ont installé des trucs sur la lune quantique, quoi. Ils ont peur de rien. Hein. Ah oui, donc là, c'est pour dire où aller. D'accord. Souvenez-vous de la règle du sixième emplacement. Vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. C'est-à-dire que je peux... Ah bah oui, si j'arrête mon getter... Je peux bouger, c'est ça? Non? Non, peut-être pas. Il y avait une autre tour là-bas, ouais. C'est la même tour. Que se passe-t-il ? Quoi, y a un tourbillon. Quoi? J'y suis, après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Comme je m'attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. Ça, je l'avais déjà lu.
Oh non! Je suis où? Je le sens mal. Oh merde! Peut-être fait une connerie là. Il y a un truc là-haut. Ce jeu. Je crois que le vaisseau s'est écrasé quelque part en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le vaisseau s'est écrasé. Ah mais je refais pas tout ça moi. Tant pis pour la lune quantique, on s'en fout. Ah j'en ai plus rien à péter de la lune quantique. Je suis allé dessus, c'est parfait. J'ai réussi à atterrir sur la surface de lune quantique et j'ai retrouvé un nomade décédé dans une combinaison d'astronautes près du pôle sud. Un hôtel nomade errant sur la lune quantique. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Voilà ce qui est écrit aux côtés d'une peinture murale représentant une tour sur une île. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique. Dans une grotte, souvenez-vous de la règle du sixième emplacement. Suspendu autour d'un trou noir. Je suis persuadé, ouais, il faut, ouais. En fait là, il y avait le tourbillon. Il y avait le tourbillon parce qu'on était autour de Léviat. On était autour de Léviat, donc il y avait le tourbillon. Et en fait, donc la Lune doit prendre les propriétés de la planète autour de laquelle elle se met. Je pense. Cerveau. Mon cerveau. Mon pauvre cerveau. Vous savez quoi? On va aller faire un petit truc plus simple. Là, juste tout de suite maintenant, là, on va aller autour de Léviat et on va essayer, voilà, hop, Léviat, merci, et on va essayer d'aller, d'aller sur la station. Vous voyez, il y a la station qui est autour de Léviat. On va essayer de trouver des trucs dans la station. Parce que là, la lune quantique, j'en peux plus. Je veux plus entendre parler de la lune quantique. J'interdis à qui que ce soit de dire lune quantique. Voilà. On est sur la station. Hop.
Je pense à un truc, le vaisseau dans lequel tu t'es retrouvé, c'est la sonde envoyée au début de boucle. Pas du tout. Ce vaisseau-là, on peut le retrouver, on peut le rappeler depuis je sais plus où, mais on peut le rappeler. Donc non, c'est pas du tout la sonde. La sonde c'est la sonde. Hein. La sonde, je pense qu'on la verra jamais. Hein. Aïe. Aïe. Ah, le nez qui me gratte. Quoi? Ah bah oui, forcément. J'ai tourné le truc. Non. Ah non, hein. Putain, je suis keblo. C'est bon. Attendez, je vais faire la recharge de carburant, là. Non, mais sors-moi de là. Merci. Ok, bon. Alors. Je sais plus par où je suis sorti, hein, par contre. Par là? Bon. Bon, c'est pas par là. Oh là là, Oh là là. Dès qu'on touche un truc, hein. Dès qu'on se cogne un peu. Pas se cogner dans le jeu, hein. Attendez, là c'est. Voilà, là c'est cassé. C'est par là que je suis rentré. Alors, je sais pas où est le morceau, où le morceau est parti, mais. Il est parti, quoi. Ah bah voilà, là je peux... Bah oui, Suis-je bête? Je fais ça. Ensuite je sors. Et ensuite je retrouve mon getter. Qu'il est bête.
Regardez ça. Regardez ça comment il est malin quand il veut. Hop. Ça je peux fermer. Alors, la pierre. Projette-moi des trucs. Bah, tu imagines, Privette, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers et tu seras la première à les voir. Ça me honore et ça me terrifie. Tu vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui endommagera, n'est-ce pas? Ça, j'ai déjà lu ça. T'en fais pas, mon ami, de toute façon, nous n'allons tirer qu'une seule fois. Alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Moi, Malo, je m'en soucie. Bah, a priori, non, vu qu'il vient de me dire que. Ah, regardez les petits malins là. Non. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Malouf, m'attendre 50%. Ça, je l'avais déjà lu aussi. Monter la température de mon cœur, mon amour. Qui réglait tous les uns. Site de construction, je vois. Ça, j'ai déjà lu. Lance-sonde orbital. C'est déjà lu ça. Bon, est-ce que là-haut j'ai des trucs là hein? Non, j'ai rien. Bon. Du coup, je peux ressortir d'ici. Après, il me reste à trouver le morceau manquant. Faut que je retourne à la fusée. Reprendre de l'oxygène. Bon, en même temps, je vais lire les avancées faramineuses que j'ai faites. Voilà, le module lancement s'est trouvé. Alors, le module lancement a subi d'importants dégâts, mais le bassin de projection est toujours intact. Une nomaille du nom de Malo avança que ce ne serait pas grave si le lance-sonde subissait des dommages structurels car la sonde ne serait tirée qu'une seule fois. Une nomaille du nom de Privette objecta qu'il serait impossible de recevoir des données de la sonde si le module de pistage venait d'être détruit. Ça je l'ai eu. Le module de contrôle du coup. Vestige, il existe 3 voies d'accès. Partant de la zone centrale. Donc le module de contrôle. Alors le module de contrôle, soit il est en train de flotter là. Quelque part. Soit il est tombé sur la planète. Super. Que là on voit les morceaux qui ont pété. Mais on voit des morceaux qui volent des fois.
Ah, ils sont là-bas. Mais je ne sais pour quelle raison. Ma fusée ne marche plus. Allô ? Bien fait baiser. Elle est où là, Lille? Ah, attendez, fusée, 1 km. Ah non, mais elle est toujours en orbite. Ah, bah regardez. Revenu. Que c'est? On sait pas par où on rentre. Dans tout ce bordel. Je suis sûr qu'il y a l'île là. Je suis perdu. Ça ressemble aux racines de sombre. Ah, arrête! Ça ressemble aux racines de sombron, ça. Hein. Oh, shit. Matière fantôme. Ah bah super. Ah bah oui. J'ai déjà vu ça, non? Je peux pas aller en face. Il me semble que j'ai déjà vu ça.
Est-ce qu'il y a des trucs que j'avais pas vu la première fois en venant ici ou pas? Là on peut pas passer. Là on peut pas passer non plus. Pourquoi? Pourquoi on nous filerait une réserve de carburant là? Monter ici? Mais non, il y a trop de gravité sur la planète là. Voilà, au moins je peux monter. Je vais mourir hein, en retombant, mais. Voilà, c'était obligé. C'était obligé que je m'éclate. Ah, la fatigue du jeu quoi. Blacky c'était toujours là, les autres ils galèrent autant que moi ou ou c'est juste moi? Attendez, ils vont où les bouts? Ouais voilà, je peux aller les choper hein, les bouts hein. Y a deux bouts devant hein. On va aller voir si on arrive à trouver quelque chose. Ça galère aussi, mais pas forcément au même endroit. Ah. En train de me dire qu'ils ont pas galéré ici, quoi. En train de me dire gentiment qu'ils ont pas galéré ici, quoi. La lune quantique t'as pas vu. Ouais mais là je suis pas sûr. Là je suis plus sur la lune quantique. Là j'ai dit la lune quantique on arrête hein, donc. Donc là je suis pas dessus. Bon, on va essayer de pas se viander cette fois-ci hein. Voilà donc regardez. Ya. Super, si en plus ça passe derrière, histoire que je vois plus rien. Allume tes feux là. Oh merde, les fers sont allumés de base. Donc dans les deux autres morceaux, il y a quoi? Y a rien. Hein. Dans les deux autres morceaux, en fait, c'est vraiment le truc par lequel ça passe. Donc, là, il manque... Il nous manque une aile au machin là. On sait pas où il est le module. Il y a module de contrôle, module de truc et module de bidule. Il y en a un qui a explosé. Mais we don't know where it is. Vous voyez là, hop, tout ça, toute cette partie-là, elle a pété. Et c'est pas en orbite. C'est pas en orbite autour. Est-ce qu'on peut... Non. T'as pas trop vu les Viat non plus.
Il y a un truc que j'ai pas vu. Allô ? Oui, c'est bon. Arrête de faire des tonneaux, s'il te plaît. Ça, je l'ai fait. Moi, ce que je veux, c'est la grosse... voilà. Regardez, la grosse tornade, là. Pourquoi on peut pas rentrer dedans ? Alors, on peut rentrer, mais par-dessous ? Il y a un truc là, regardez dedans. Alors, est-ce qu'il faut pas que... On va tenter un truc. Est-ce qu'il faut pas aller sous le courant? Oui, il y a la tour que t'as trouvée tout à l'heure. Ah, tu crois que c'est ça? Comment j'ai fait pour y aller du coup ouais, bah, putain, je sais plus. Comment j'ai fait? Attendez, on va prendre 30 km. Après on va speeder vers la planète là. Bah je suis même à plus que ça du coup. Après, tu t'es fait éjecter par le ouf, t'as replongé direct de mémoire. En fait, c'était un coup de bol, quoi. C'était un méga coup de bol, quoi. Après, j'y vais pleine balle. Hein. Go! Eh bah non, ça marche pas. Même à 2500 km/h, ça marche pas. Hein. Faudrait que je regarde pour le succès. Faudrait que je regarde. 2500 km/h, c'est 2500 mètres/secondes. On va revoir machin, on va essayer de lui parler. Lui, souvent, il a des trucs à nous dire. Ah non, il y a l'autre succès aussi là où il faut mourir. Aïe. Do you remember le succès où faut mourir? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Hein? J'ai pas ma combi? Eh, j'avais pas mis ma combi? Oh le mec! Vous y croyez à ça? Le mec il avait pas mis sa combi quoi. Alors, 1. Deux. Ah, je suis loin. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà.
3. Désolé, c'est chiant. Hein. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Là, je vais attendre. À replonger encore, donc voilà, on fait gaffe. Merde. Quatorze. 15. 16. On va faire 20, je crois. 17. Ah, des fois ça part vachement plus vite que d'autres. 18. Passionnant, hein. Non. Bon, des fois je me suis fait avoir comme ça en disant j'en mets un peu plus. Et finalement j'ai regretté. Hop. Normalement, on devrait être bien. On devrait être bien. On essaie de mourir. Bon, je vais en remettre 2-3 coups encore en plus, hein. Histoire 2. J'espère qu'on est bientôt à la fin, là. Enfin, qu'on est bientôt à la fin de... De la boucle, quoi. Voilà. Bon. On a pris plein de dégâts. On est ravis. Hop. Du coup ici, je sais pas ce qu'il me reste à faire. Pas grand, il me reste rien à faire en fait. Hein. Je peux réparer ça si je veux.
qu'il avait réparé. Je remets un petit coup. Ah, c'est plus fort. Ah ouais, il y a des fois en fait, c'est pas la même. Hein. Vous voulez causer au gars. Ah oui, c'est vrai. Parce que lui, il a des lignes de dialogue en plus là. La dernière fois qu'on est venu, il avait d'autres trucs à nous dire. Qu'est-ce que tu fais ici? Léviat. J'ai fait une découverte. Bon. Non, en fait, il a plus rien à me dire. Dun, dun, dun. Ah, le mec qui va risquer. Le mec qui va risquer son succès, quoi. Vas-y, je m'en vais. Super, je suis coincé. Super. Bon bah on va rester ici hein. On est bien finalement. À quoi ça sert de vouloir aller ailleurs? Honnêtement. La la la... C'est quoi Y? Ah non, ça c'est non. Ah, c'est les... D'accord, c'est les options. En fait, là, c'est des options du jeu. Et on peut les avoir in-game. Très méta, ça. Hein. Je peux retirer la combinaison. D'accord. Je peux voir la carte. On en est où de du soleil, là? Il s'énerve un peu, lui, ou pas, là? Il s'énerve un peu, quand même. Quoi? Ah mais c'est le truc rouge que je suivais la dernière fois. D'accord. Il est là. Bon bon bon. Il y a le soleil qui s'énerve un peu ou pas là? Ah! Oh oui! Ah mais regardez, elle t'est pas retombée! Ah le bug! Ah ce bug! Ah c'était tout bugé! C'était tout buggé. En fait, la, l'île a été propulsée dans l'espace. Comme d'habitude. Dirons-nous. Sauf que c'était pas retombé. Et c'est quand je me suis barré que ça s'est enfin retombé, quoi. C'est chelou. C'est chelou. Bon, je vais où, du coup? Pas trop. Ah bah si, le petit truc qui vole là, il est où? Attendez, c'est marqué 20 qui... Ah bah regardez, c'est là. Putain, pas le soleil, pas le... déconne pas, hein, pas le soleil. Hein.
Attendez. Pilote automatique, vas-y. J'ai plus trop peur du soleil là, donc on va pouvoir aller faire ça avant de mourir. Regardez-le comment il se barre lui. Reviens là hein. Putain, mais c'est chiant de le choper. Allez, merci le pilote automatique. Hein. Vous êtes bien là, faut avouer. Qu'est-ce que c'est ? Ça se barre, hein ? Vous avez vu ? Il me fuit. There's a message. Ah, signal identifié. Inconnu, fréquence non identifiée. Sigabro, je vais voir le satellite d'espace lointain à la demande du centre de contrôle pour vérifier un problème matériel potentiel, tu vois. Cornet, moi aussi je travaille. Tu sais, ça me dérangerait pas d'être un satellite. C'est paisible ici, parmi les étoiles lointaines et l'obscurité douce comme du velours. Je parie que c'est terriblement sympa pour faire la sieste. Ah, c'est vrai, la lentille. Alors, petit satellite, voyons ce qui ne va pas. Tout a l'air impeccable, centre de contrôle, pas de poussière ni d'éraflure sur la lentille, aucun signe de problème électrique ou d'explosion violente. On dirait qu'il n'y a pas de défaillance matérielle finalement. Bon ça, vieille branche, t'es en parfait état, continue comme ça. Boing. Caution. Ah ça y est, on va pas tarder à mourir. T'as vraiment succès ? Il y a des degrés dessus. Ok. Je vais re-rentrer dans mon vaisseau. Je vais regarder ce que ça m'a appris. Ah bah rien. Si ? Non, peut-être ?
Alors, est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pas lu? Non. Et ben, on va pouvoir s'installer et regarder le monde finir. Erreur, carte hors ligne. Quoi? Je sais même plus où est le soleil. Il est là, regardez, le soleil il est là. Oh, il s'effondre. Oh, il s'effondre. Je me rapproche. Hein. Je me rapproche même. Yes! J'ai eu le succès coriace du fait que j'ai pris plein de dégâts et je suis quand même arrivé au bout de ma boucle. Et oui. C'est cool. On aura fait au moins un truc. Bon allez, je crois que je vais arrêter là, moi. Ça fait 1h15 de vidéo. Je suis fatigué. Ça serait une bonne idée de s'arrêter. En plus, là j'ai plus d'idées. Là, pour ce soir, honnêtement, j'ai plus d'idées. Hop, on voit le truc péter, évidemment. Les petits morceaux, ils vont où? On voit pas. Hein. Le morceau du contrôleur, on voit pas où il va. Hein. C'est bien dommage. T'as des trucs à me dire, toi? Tu savais qu'au-delà de notre système solaire, il y avait un grand vide infini. C'est rigolo, ça. Oui, j'étais toi, j'étais en train d'exploration du système solaire. Hein, parce que, en fait, j'ai fait le succès de me barrer vite, très très loin. Ça m'embarrasse de l'admettre, mais nos fusées ne sont pas faites pour l'espace lointain. Ouais, c'est rigolo. Hop, allez. Des bisous. YouTube.